La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle se montre pas de temps en temps, on finit par douter, tu vois. Ben oui. D'abord, j'adorais l'église, j'adorais prier, j'adorais l'atmosphère de l'église, j'adorais tout ça. Et pour te dire toute la vérité, quand j'étais gosse, je m'inventais des péchés pour avoir un truc à raconter. J'en faisais très peu et par la suite, j'en ai fait beaucoup. Mais là, j'allais plus du tout à confesse, là. Et c'est ça qui est antinomique. Je me disais, mon pauvre Didier, plus tes péchés sont grands, moins tu veux en être absous. C'est quand même... Alors c'est justement peut-être le moment où tu as besoin de te sentir allégé, quoi, réconcilier un peu avec toi-même et tout. Mais c'est marrant que tu dises que tu étais d'une époque où justement tu allais jusqu'à t'inventer des péchés. Bah parce ouais. Non, mais j'ai un copain prêtre qui a fait exactement la même chose. Tu vois. Il se pointe à la veille de sa première communion, comme ouais, toi. Comme moi. Il a 25 ans de plus que moi. Et il dit qu'à l'époque, il ne savait pas quoi dire. Il doit être de ma génération à moi. Pour le coup, il prend une liste. C'est qu'il y avait une liste des péchés types, entre guillemets. C'est ça. Et moi, je la suivais aussi. Tu sais ce qu'il a dit au prêtre, vu qu'il ne savait pas quoi dire? Il a pris le mot qui lui paraissait le plus sérieux, le plus grave. Il a dit « j'ai commis l'adultère ». Ah, c'est génial. Un monde de 11 ans, 11 ans et demi, quoi, tu vois. C'est ouais. Non, mais moi, je n'avais pas commis l'adultère, loin de là. Mais j'avais des visées pendant ma retraite de communion sur une jeune fille qui était à l'école avec moi. J'avoue que j'ai adoré aller à ma communion parce que je me disais en même temps que j'échappe au monde pendant 3 jours, je vais la voir pendant 3 jours avec moi. Et là, ça n'arrivait pas quand j'avais 12 ans de te retrouver 3 jours avec une adolessante de ton âge. Un moment privilégié. Proximité. Les parents, à l'époque, ils t'envoyaient pas en vacances avec elle ou avec d'autres. Donc je me disais, mais c'est inespéré. Merci, mon Dieu. C'est fou comme des fois il nous prend comme ça, par des rencontres qu'on n'aurait pas surpris. Tu sais que moi, ce qui m'a fait devenir prêtre à tous les coups, c'est un petit coup de foudre, il y a une quinzaine d'années. Elle s'appelait Maria, et franchement, le jour où je l'ai rencontrée, elle avait l'œil tellement pétillant et tout. Et puis elle était bien nommée. Déjà, elle était bénie par son prénom. J'allais dire. Mais pour le coup, elle allait tous les jours à la chapelle, très tôt le matin, dès 6h30. Incroyable. Et je me suis dit, mais si justement, voilà, bah, il faut que j'aille à la chapelle. Et bien sûr. C'est grâce à elle que tous les matins, j'allais à la chapelle pour la rencontrer. Parce qu'en plus, je me disais, si elle me voit à la chapelle dès l'aurore, elle va penser que je suis un mec bien, un mec qui prie et tout. Évidemment. Et quelques années plus tard, je lui dis à Dieu, mais sérieux, tu m'as fait passer par elle pour me rapprocher de toi. Ouais. Et tu lui chantais Maria de... Maria. Non, la chanson de West Side Story, l'air de Maria. Sublime. C'est là qu'on a quelques mots d'écart. Maria, babadadadadan, Maria. Tu connais pas ça? Écoute, c'est merveilleux. Ouais, ce truc de miracle, quand la vie t'a amené quelquefois par le fond et tu remontes, et tu dis, mais putain, il est sympa, hein, il m'a tendu la main plusieurs fois. Est-ce que tu penses que là-haut, on continue d'écouter de la musique, voire on en compose? Et ça ressemble à quoi? J'espère que la musique existe au-delà des nuages, au-delà de l'univers. Parce que la musique est... Enfin, pour moi, évidemment, parce que peut-être je suis un objet particulier. J'ai des copains qui n'aiment pas beaucoup la musique. Enfin, qui disent qu'ils ne l'aiment pas. Olivier de Kersauzon, par contre, que j'aime énormément, m'a toujours dit qu'il détestait la musique. Et moi, j'adore Olivier de Kersauzon, c'est comme ça. Bon, bref, oui, j'espère qu'il y a de la musique parce que c'est un élément essentiel de la vie. Mais il y en a forcément parce que le vent dans les arbres est de la musique pour moi. L'océan est de la musique. Alors, ça ressemble à ça, la musique dans l'au-delà? Un genre de... Je pense. De bruissement de vent à travers les feuilles qui nous rappelle la douce mélancolie de l'automne. Je pense quelque chose qui crée de la présence. Parce que la musique, ça n'est rien d'autre qu'une présence qui peut être... Pour certains, une présence divine. Il y a des gens qui entendent des trucs, ils te disent « m'est venu comme ça ». Et c'est vrai que dans la création musicale, il y a quand même une part miraculeuse. On n'est pas seul quand on écrit, on est accompagné. Tous les créateurs te le diraient. Les créateurs honnêtes, ceux qui en écrivent beaucoup, qui écrivent longtemps, il n'y a pas de mécréants chez les créateurs. Ils savent qu'ils sont accompagnés. Quand tu écris, quand tu composes, tu parles un peu à peut-être Dieu. Non, parce que j'ai autre chose à faire, il faut que je me concentre sur mon truc. Justement, si tu dis qu'il était accompagné, mais faut il m'est arrivé, bien sûr, il m'est arrivé, et plein des gens qui font le même truc que toi. Des compères. Des compères, enfin, je ne sais pas si c'est des compères. Ils te le diraient, ils te diraient bien sûr que de temps en temps, on a fini d'écrire, on se dit, mais qui a écrit ça? Tu sais, ce sentiment d'avoir fini, d'avoir la chose terminée sans l'avoir vraiment pilotée, ça fait bizarre.
ça n'arrive pas souvent, il ne faut pas exagérer, mais ça m'impressionne toujours, ça. Et quand je le ressens, parce que je suis seul à pouvoir témoigner de ça, c'est ça qui est, et à part mon chien qui est à mes pieds, et lui, visiblement, il ne perçoit pas, mais moi, celui-là, je me dis quand même, quand on me dit, mais pourquoi vous êtes croyant, à ton avis. Ça, c'est vrai que c'est un bel exemple. Charles Trenet avait eu ce mot extraordinaire. Un jour, on lui dit, mais monsieur Trenet, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, tu vois, il prend une pause, il réfléchit, il se tourne vers le journaliste et dit, cher ami, comment voulez-vous que je ne croie pas à quelqu'un qui a autant cru en moi? Celle-là, je la note précieusement, ça. Ah ben, c'est vrai. Mais franchement. Ah, mais c'est vrai, je ne l'ai pas inventé. Hein. Charles Trenet, qui était un créateur exceptionnel, enfin, il avait l'honnêteté de reconnaître qu'il avait été aidé. Tu as d'autres moments, toi, dans ton parcours, justement, c'est quand même, aujourd'hui, tu as combien, 65, un peu plus? Ah non, je vais avoir 70 ans en 2024. Chapeau. Enfin, chapeau, tu sais, il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Quand tu travailles le matin, tu as mal un peu en bas du dos, un peu machin, un peu ci, un peu ça, un peu les articulations, enfin bref. Plus de 2000 chansons au compteur, un nombre de succès phénoménal. Tu le dis plusieurs fois que Jésus, c'est quelqu'un que tu aimerais encore aujourd'hui, c'est un de tes plus grands désirs. Ah, mais je. Qu'il puisse te parler un jour. C'est-à-dire, tu vois, qu'il rentre dans la porte, de, là, dans le studio, qu'il s'approche de nous, qu'il nous dise alors. Ça va les gars, vous en êtes où? Là, peut-être je ferai une crise cardiaque, peut-être je mourrai là sur place, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on le reconnaîtrait? Tu vois, dans les évangiles, Jean, il l'a reconnu. Jean, il a dit, vous verrez, j'irai lui laver les pieds. Vous verrez, quand il arrivera, vous le reconnaîtrai tout de suite. Non, mais je te posais cette question parce que c'est toi-même qui dis dans ta chanson que voilà, moi, s'il était là aujourd'hui... Voilà, moi, voir Jésus et entendre mon chien parler, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que l'un et l'autre, tu penses qu'il te dirait? Ton chien, il s'appelle comment déjà ton chien? Lulu. Il dirait quoi, Lulu? Justement, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être, je voudrais qu'il me parle, qu'il me raconte ce qu'il a vécu avec moi, ou ce qu'il vit aujourd'hui, ou je sais pas. Comment il voit la vie, comment il regarde le monde. Et Jésus, pareil. Et si notre Jésus, il rencontrait, non pas toi, mais un de tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais que Jésus dise à un de tes enfants, qui aujourd'hui, donc, tes filles, elles sont qu'il leur, qu'il essaie de leur transmettre la foi et l'espérance, parce que c'est une génération qui va en avoir besoin. Et pour l'instant, elles ne l'ont pas rencontré. Ni la foi, j'allais dire ni l'espérance, c'est idiot de dire ça, puisqu'elles ne sont pas dans la désespérance. Mais elles n'ont pas encore entendu ou éprouvé cette idée-là, l'appel de la foi. Et moi, je laisse faire les choses parce que je sais que ça viendra un jour. Mais je ne veux pas qu'elles y viennent de manière moutonnière. Allez, allez. Au baptême, allez, allez, en rang pour la communion. Non, non, je veux que ce soit une vraie rencontre. C'est tout d'un coup une richesse gigantesque. Il faut attendre d'avoir vécu, et je pense, hein, pour les générations d'aujourd'hui, d'avoir affronté la vie avec ce qu'elle a de misérable aujourd'hui, franchement, de grotesque, de violence, tellement de choses, que la rencontre avec la foi doit être une armure, quoi, un truc merveilleux, que tout s'échappe, que toutes les notions glissent. Tu vois ce que je veux dire? Que tout s'évacue, comme un truc pollué. Tu vois, t'es pollué, puis tout d'un coup, tu as ça. Quand je suis allé à l'abbaye de Solesmes, j'ai bien vu ce que c'était. C'est-à-dire, moi, je rentrais avec mes microbes et j'ai rencontré des hommes clean. Ça fait bizarre. Dans leur âme, tu veux dire? Ouais, ça fait bizarre. Tu penses que c'est ça qu'il faudrait à nos jeunes d'aujourd'hui, qui rencontrent par exemple des figures comme des moines ou des bonnes sœurs pour goûter un peu cette confiance ou cette espérance transcendante? Ouais, et on n'est pas obligé. Moi, je ne suis pas un militant du catholicisme. Tu as cette belle formule, tu dis chrétien, peut-être pas assidu, mais convaincu. Oui, parce que, comment dire, ça ne s'apprend pas. Bah, une relation de confiance, ça se vit, ça ne s'apprend pas. Voilà, ça vient comme ça. Et encore une fois, pourquoi je pousserais à un moment mes enfants, même, j'attends, hein, mais si ça ne leur vient pas à l'idée, j'en parlerai avec elles et on ira vers l'idée. J'irai ne vis pas, ne meurs pas sans t'être frotté à ça. Au moins, aller voir, on est ce qu'on veut. Mais on ne peut pas ignorer. Moi, j'aime les gens qui croient. Il y en a que je trouve un peu ridicules, mais nous aussi, on est ridicules dans notre foi, quelquefois. On peut nous regarder comme des gens un peu ridicules. Un athée peut se dire, mais pauvre garçon, là. C'est quoi ces inepties? Voilà. Mais moi, j'accepte ça. Et qu'est-ce qui fait que tu dis que j'aime les gens qui croient? Qu'est-ce qu'ils ont en plus, ceux qui croient? Ils ont une autre...
ils ont une autre lumière, ils ont une autre, ils ont un autre intérêt pour moi, même dans l'exagération. Et c'est que par exemple, des fois... Même les intégristes, j'arrive à les comprendre. Et moi, je me sens pas là-dedans du tout, tu vois. Et peut-être que s'il fallait combattre les intégristes, ben je serais contre eux, tu vois, jusqu'où je vais. Mais malgré tout, je vois des gens vivre leur foi d'une telle manière. Quand même, quand, l'abbaye de Solesmes, ça bouscule. Maximum respect quand même, tu vois. Ah, je pense qu'il y a cette aura dans bien des monastères. Ils parce ont que, quelque chose, là, de vivre. Ah, ben, ils ont un truc. C'est... Ah, ben, c'est pour ça. Et ça peut pas être, comment dire... Ah, un mec fake. Qui a pris perpète, condamné par la société. Tu dis, bon, ben, lui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il a pris perpétuité. Mais une âme qui s'est donnée perpétuité, ça, c'est autre chose, monsieur. Ça, c'est autre chose. Et en même temps, des fois, tu me dis que tu me trouves un peu trop rêveur. Tu vois. Est-ce que c'est Mathieu qui est comme ça ou est-ce que c'est tous les croyants qui ont ce côté un petit peu idéaliste à vouloir croire en Dieu? Non, toi, je te trouve un peu trop rêveur quand tu es dans ton idéalisme. Tu me dis Dieu est amour, Dieu est machin. Oui, mais... Bah, t'es d'accord. Oui, bien sûr que je suis d'accord. Mais comme disait Michel Audiard, qui était un croyant mécréant, il disait, il avait eu cette formule que je trouvais tellement belle. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle se montre pas de temps en temps, on finit par douter. Tu vois? Bah oui. Et c'est quoi le rapport avec notre Dieu est amour ou, ben parce ou que de temps en temps, on voudrait rêveur. Voir, au-delà de l'espérance, on aimerait un petit déclenchement. Et moi, j'aime bien l'idée aussi, je la comprends. L'épreuve et l'apostrophe, hein. C'est dans l'épreuve, on mesure sa foi, certes. C'est vrai ça, tu l'as entendu. Oui, mais c'est un sujet que je prends avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Parce qu'on n'est jamais très loin de tomber dans le mal devient nécessaire pour qu'on puisse... Ah non, puisse, non, je suis voilà. Bien d'accord, donc, avec, je suis ça, bien d'accord avec ça. Non, 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 parce qu'après ça fait des... Comment on appelait ça? Les grenouilles de bénitier, là. Ou tout simplement des gens qui sont perdus, parce qu'on leur parle d'un Dieu aimant, et ils subissent des trucs. Les chrétiens de Rome, les chrétiens de Rome, on leur disait, c'est pas grave, rentrez dans l'arène, le grand lion va bien s'occuper de votre cas, mais ne vous inquiétez pas, vous allez au ciel direct. Hein. C'est comme la bande à Ben Laden. Hein. On leur a dit, les gars, les tours et vous montez directos. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont reçu le message comme ça avec un certain simplisme. Mais on a quand même des magnifiques témoignages de martyrs dans les premiers siècles. Ouais, des gens qui ont donné leur vie encore plus que nos moines de Solesmes. Oui, mais je crois plus, comment te dire, à la réalité, à la fois, peut-être à la fois du désert. Le désert est pour moi, c'est bizarre, un élément de la foi chrétienne. C'est ce qu'on vit pendant le carême, mais c'est ce que tu racontes quand tu vas dans tes forêts, discuter avec tes arbres. Mmh. Il y a besoin de s'isoler comme ça pour leur il y a quelque chose, il y a un rapport, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, le désert est en rapport avec les religions. Je sais pas, mais pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Et là encore, je le sens physiquement. C'est dans les déserts que sont installés les premiers moines. Il y a quelque chose de ce détachement je sais pas, du monde mais pour se recentrer sur ce qui est le plus essentiel à nous. Ouais, c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'aller à Jérusalem. Jamais aller là-bas. Non, j'ai peur d'y rester. Je ne veux pas y aller. Rassure-toi, c'est une ville assez tumultueuse aujourd'hui et ça n'a pas trop l'esprit du désert. Hein. Je m'en fous. Il y a des choses magnifiques. Je m'en fous. Mais... J'ai peur d'être happé par Jérusalem. J'ai eu la chance d'y aller une fois et moi, ce qui m'ébahit là-bas, c'est qu'en fait, quand on est sur place, on se rend compte que le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, il doit être à vol d'oiseau à 250-300 mètres du mur des Lamentations, qui est au pied de la mosquée Al-Aqsa. Donc, lui là-haut, il a ou tellement d'humour ou un plan qu'on n'arrive pas à comprendre, où il a mis les trois lieux sacrés des trois plus grandes religions dans un mouchoir de poche. C'est dingue quand même. Je crois surtout que c'est nécessaire. Je pense qu'on est tous frères de croyance. Mais on n'est pas frères, genre, viens dans mes bras mon frère. Non. Ça peut. Mais par contre, on est des frères de croyance, c'est-à-dire on se doit le respect tous. Les uns et les autres. Et je retombe sur ce que tu disais il y a quelques instants, où en effet, moi je pense que les croyants, même si les athées sont des personnes tout autant estimables, ceux qui ont la foi, ils ont un petit truc, une petite valeur ajoutée par rapport à d'autres qui leur donnent... Pour moi, oui, mais c'est pour ça qu'aussi, j'ai toujours pensé que les guerres de religion étaient les pires, c'était les plus dévoyées, c'est l'hérésie absolue pour moi. Il peut pas, c'est comme si tu me mets des pains sur la table et tu me dis, alors, mais celui-là, tu sais qu'il est meilleur que celui-là. Et je regarde et je dis, mais non, c'est des pains, tu te fous de moi. Qu'est-ce qu'ils auraient de meilleur? Non. Ils sont à partager, ils sont à comprendre, ils sont à se mélanger. À partager, à comprendre, à s'enrichir de l'autre. Oui, je suis très d'accord. À se mélanger même. Et il me semble que justement, Jésus, il nous a montré que venez comme vous êtes.
qui que vous soyez. Voilà, comme chez McDo. Exactement. Mais ils nous ont piqué notre slogan. C'est vrai. Il faut juste, c'est pas grave, se poser la question. Et autour de soi, il est où? Dans l'immeuble, dans l'arbre, dans le chat, dans le nuage qui passe, il est où? Dans le frère et la sœur que je rencontre. Le frère et la sœur, il est où? Il est où? Dans le sourire, dans le... C'est comme ça. Le petit tip, ce que j'essaie de faire tous les soirs avant de m'endormir, c'est de dire trois petits merci. Et en fait, mes trois merci, chaque soir, avant de m'endormir, c'est toujours parce que j'ai vu Dieu, en fait, derrière les yeux de quelqu'un. À travers un sourire, à travers une expression, une main tendue. Et il est là, quoi, chaque jour. Moi, vraiment, je le vois, quoi. Moi, je l'ai rencontré, il y a quoi? Non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Il y a trois jours, dans la rue, avec un clochard et son chien. Je me dis, putain, il a choisi, lui. Lui, il a choisi. Et tu penses que ça se trouve s'il arrivait là à lui, 2023? Non, mais j'en ai parlé avec lui. Ouais, mais notre Jésus... De toute façon, il aurait pu être autre chose, hein, faire autre chose. Il risquerait pas de finir comme ça, notre Jésus, s'il arrivait aujourd'hui, que personne ne le reconnaisse et qu'on le laisse dans la rue. C'est possible aussi, mais je l'ai peut-être croisé chez cet homme-là. Merci Didier. La petite tradition de fin. Je t'en prie. C'est quoi? C'est les bonbons. Non, on propose pas de bonbons. On a commencé dans le carême, donc on continue. C'est une hostie enroulée, mesdames. C'est des petits bouts de la parole de Dieu. Je suis convaincu que la Bible, voilà, ça peut transformer nos vies. Alors attends, je déroule jusqu'au bout, c'est pas gagné les gars. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est mal adressé. C'est toi qui as reçu cette parole de Dieu aujourd'hui. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Écoute Jésus, je vais te la faire simple. T'es un mec bien, c'est gentil de me dire ça. Et surtout, je sais pas si c'est un poil exagéré, mais enfin bon. Tu pioches cette parole juste après qu'on ait parlé du fait que Jésus, on le croise dans l'autre. Et en fait, là, il vient de te dire, ok, tu dis que toi, tu me connais pas, mais moi, Jésus, moi, ouais, je te connais, Didier. Et sais que derrière ton regard, il y en a qui voient la présence de Dieu. Ouais. Ce qui éclaire et ce qui réchauffe le cœur des autres. La lumière, c'est ce qui fait briller même les autres. Et toi, toute ta vie, t'as composé pour combien d'autres artistes? Ouais. Tu les as fait briller. Je sais pas si cet ami-là exagère pas un peu, mais c'est toujours agréable, tu sais. Les artistes, moi, je suis un artiste comme ça. On ne se lasse jamais des compliments. On croit que c'est anodin. Pas du tout. On a un tel... Moi, je le ressens comme ça. On a eu un tel manque à un moment d'être aimé, ou une telle peur de ne pas l'être, que c'est toujours bien. Ouais. Donc, Jesus, merci et bravo. Ça, c'est une belle parole de fin. Bah, franchement, merci Didier. C'était top. Merci à toi.